Et salut tout le monde, salut Paul. Salut. Alors là, on est hyper content. Hyper content. Non merde, ça marche pas sans les effets. En tant que youtubeur renommé, très renommé, nous avons désormais accès à la deuxième extension de Soleil et Lune, 10 jours avant la sortie officielle si je me trompe pas. 8 jours exactement, 8 jours. Et 6 jours quand vous allez la voir. Alors juste pour pas qu'il y en ait qui croient vraiment ça, évidemment qu'on n'est pas renommé, on fait 2000 vues. Par contre, on a eu un gros coup de bol et on sait que c'est pas légal, mais on a eu les tripacks avant la sortie. On les montre ou pas du coup? On les montre, ouais. Ah bah on peut pas les ouvrir du coup. Voilà. Donc le premier tripack Fenard d'Alola, Tokoriko et un booster Soleil Lune 1 avec Oratoria. Et ouais, on va montrer la promo après. Et du coup le deuxième. Donc et bah, voilà. Tokoriko, Lugarok et c'est ça. Mandala. Donc du coup comme la dernière fois c'était Ben qui avait ouvert en premier les tripacks pour SL1, ouvrir en premier les tripacks pour SL2. Donc bah écoutez les amis, si vous êtes là, si vous avez pas peur d'être spoilé, on va bien se marrer et on est hyper content de commencer la deuxième extension du bloc Soleil Lune. Let's et là go. Tout de suite on ouvre ça et on vous reprend tout de suite. Et on est de retour et on est désolé parce que l'un de nous deux, je ne dirais pas qui, a tapé dans le pied, donc à mon avis le fondu va être dégueu. Donc on a ouvert les deux tripacks Soleil Lune. C'est pas grave Paul, je vais quitter la chaîne. On a ouvert les deux tripacks de Paul, donc on en a sorti les deux promos. La première promo c'est Boumata. Alors j'ai toujours pas fait Soleil Lune, donc Paul connaît plus que moi les Pokémon de cette nouvelle génération. Je crois que je vais balancer une vieille Pokéball, je l'ai eu, puis voilà, il est au fond de mon PC, je l'ai jamais revu ce Pokémon. D'accord. Et donc ça c'est la première promo et la deuxième promo, c'est la promo Lucanon. Elle est super jolie, celle-là. Ouais, elle est très très belle. Bon, les deux sont plutôt pas mal hein, par rapport au vieux Flamiaou et Togedemaru clair. Ah putain. Là, ils sont un peu plus badass. Voilà, là c'est déjà plus. Gardien ascendant, ça y est quoi. Voilà, donc voilà, les deux petites promos. On a également, on va pas faire 3 heures là-dessus, hein, ce que vous voulez voir, c'est des ouvertures et nous aussi. Et le petit jeton Métallos, donc pareil. Hein, que je trouve très joli. Qu'on a eu en double, enfin qu'on va avoir en quadruple, du coup, en comptant mes deux. Si quelqu'un le veut, je le vends à 1€. Donc voilà. Ok super, donc on va pouvoir commencer, on va d'abord ouvrir les deux boosters Soleil Lune 2 et on va finir par le petit bonus, les SL1, voilà tout à fait. Et après ce sera même du SM, mais ça c'est hors caméra par contre. Exactement, mais de toute façon ta mère est pas encore rentrée du boulot, bah, on peut pas commencer maintenant. Alors, je suppose que c'est encore un 2, 3, 4, 1, 2. Et ben on va vite le savoir. Alors là on connaît, on s'est fait spoiler quasiment aucune carte, on découvre avec vous. Exactement. C'est l'excitation de la nouvelle extension. Alors attention, c'est parti. Et on va bien montrer les cartes d'ailleurs monsieur. Oui excuse-moi. Ça m'a saoulé. Un Brocélome. Ben, elle est belle. Mais en fait Paul t'es trop près de moi, tu veux pas te décaler non, un peu je, voilà ça me voilà. Fait des trucs. Alors Brocélome. Barloche. Dégueulasse. Enfin le Barloche est un peu moi j'ai trouvé toutes très belles. Carvana, très très bien. Je l'ai bien dit. Nirondelle, putain, elle est belle. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Hein. Oh, BBK est énorme. BBK est énorme. Voilà, là, j'ai tendance à réagir à chaud. Je les trouve toutes hyper belles. Ah bah donc on a ça, encore c'est, les énergies. Elle est super belle, moi non. On a encore les énergies, d'accord. Pectorius, très bien. Similarbre, un peu bon. Ah, moi j'adore tout pour l'instant. D'accord, ok, parfait. Je suis pas objectif. Barbara, un Métang en reverse. Putain, elle est cool. J'ai l'impression de donc, overacting. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aura un Metalos GX? Peut-être. Je pense. Peut-être. Ok, et donc la dernière pour commencer. Excellent! Mes amis, Tokoriko GX Full Art! On l'a exactement dit en même temps, je la protège tout de suite. Exceptionnel pour je vous montre cette magnifique carte, ça commence là, très très putain, très 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 bien. Putain, tu commences super bien quoi. Oh là là, j'y croyais pas du tout. Alors là, je peux te dire, je suis hyper chaud. Putain les amis, bah voilà, premier booster de la nouvelle extension. Et c'était un booster Tokoriko, comme quoi il peut y avoir un lien. Il n'y a qu'en France qu'on peut être fier de son Tokoriko. Ouais, bon. Alors, on enchaîne. Deuxième Tokoriko, peut-être avec autant de chance. On va éviter d'avoir la même. On fait gaffe aux blagues qu'on fait parce qu'on sait pas qui sera président le soir de notre vidéo. Faut pas qu'on la sorte dimanche soir, faut qu'on la sorte lundi. Pourquoi on saura pas qui sera? Bah, on s'en fout. Qui, pourquoi bah, on va peut-être. Tu veux pas afficher tes opinions politiques sur les. Non, c'est pas ça, c'est qu'on va peut-être pas sortir cette vidéo en même temps qu'on va apprendre le nouveau président français quand même. C'est pas faux. Ou la nouvelle présidente. Alors, magnifique Waymer. Mucuscule, dégueulasse. Ah bah, on dirait Yoshi Woolly machin là. Bah, on dirait surtout le petit art de SL1 qui était pareil en cousu comme SLG, ça. SLG, je savais pas qu'SLG avait un petit art. TG. Sauf Kipou, oh c'est nul comme ouais, il est dur à choper celui-là, il est chiant en fait, tu d'accord. Le cours après. Non, mais il est pas moche, hein, mais le nom est pété. Tarineur. Froussardine. Bon, Froussardine, on pouvait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Énergie électrique. Moi je m'attendais à un fantastique Froussardine. Hôtel de la Lune, c'est sympa ça. Ouais, il est pas cher en plus, et vous trouvez des filles. Ouais, allez on y va. Ta gueule. Matchhopper, ah sympa ça, Matchhopper. Moi je le redis, hein, je Scorvol. Je trouve ces cartes très belles. Scorvol plutôt stylé.
Sorboul en reverse. Jusqu'à Sorboul, je l'ai trouvé très belle. Non, elle est sympa. Sorboul en reverse. Et pour finir, un Elendel en rare. Elle est belle. Elendel. Elendel, évidemment. Ok, c'est pas mal. Alors, on enchaîne avec le Loup-Garrok Diurne, c'est comme ça qu'on dit ? Non, Nocturne. Nocturne, parce que Diurne, c'est le jour. Diurne, c'est celui qui est homosexuel. Et Burn, c'est... Non. Non, ça, on montre pas. Ça, il n'y a pas le droit de montrer à la caméra. Ah bah, tu verras la miniature que je vais mettre dans la vidéo. Pardon. Donc voilà, donc si la miniature est chelou, que la vidéo s'est fait striker, c'est qu'il l'a vraiment fait. Alors, bah tiens, en parlant de boule. C'est clair. Voilà. Ça pouvait pas mieux tomber. Morpheo. Si Magmar, peut-être. Mais elles sont... Stalgamin. Je suis surexcité, voilà. Ouais, Stalgamin est super sympa. J'ai pris une grosse dose d'exta juste avant la vidéo. Je trouve tout bien, tout beau. tout agréable. D'ailleurs, enlève ta main. Pandespiègle est sympa. Funessir. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il m'a touché. Il m'a frotté un petit peu la bite. Funessir, elle est passée feu du coup. Avant, elle était psy. Voilà. Elle était ténèbre, non ? On commence pas. Ratentif. T'as vu ? Est-ce que juste. Excusez-moi. C'est pas un ravi de la crèche pour faire. Une allusion à quelqu'un qu'on connaît. C'est pas le ravi de la crèche. Le ravi de la crèche, quoi. Merci. Un petit peu abîmé d'ailleurs, le ravi de la crèche. Putain. Alors, énergie feu. Lampan. Mais elle est en anglaise. Oh. OMG. Oh, le bug de ouf. Non, elles sont toutes en française, hein. Oh putain. Oh, le bug. What? Je me disais, je connaissais pas ce truc. Eh ben écoutez, les amis, donc déjà, on est dégoûtés. Bah, pas. Et c'est chelou. Ouais, c'est hyper alors, bizarre. J'en ai entendu parler sur le forum, on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Bon, alors attends, on va voir la prochaine. Putain, aussi. Vérifie ton ta foulard quand même. Ah oui, c'est exactement ce que je viens de faire. Ok, c'est bon. Eh ben, ça fait bien chier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Grolem. Oh, elle fait. Elle est française. Elle est française. Elle est hyper belle. Ça doit être une Loriverse. On devient raciste dans nos vidéos. Non, elle est française, t'inquiète. Bon, eh ben, écoutez, on vient d'assister à un truc complètement what the c'est, fuck. Je suppose que c'est une Loriverse, j'espère. Ouais. En tout cas, Grolem d'Alola. Alors, stylé. On vous rassure, on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Hein. J'ai vu d'autres gens sur SL1 qui avaient ça. Et Flambuzard en rare. Oh putain, j'ai vu Looping. J'ai vu Looping, tu sais, bon, comme ça, le mot franglais. What okay, the fuck? C'est pas mal. J'ai l'impression d'être David Lafarge quand on fait trop, tu sais. Alors, moi, c'est celui-là que je sentais bien, c'était le fenard d'Alola. Non, mais on en parle ou pas Oui, des cartes anglaises, mais qu'est-ce que tu ça veux? Ça devient un vrai problème. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, on encule, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'encule le Front National. Voilà. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire que moi, c'est le plus. Je fais des vidéos d'ouverture de paquets Pokémon très engagés. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Non, mais sans déconner. Non, mais c'était ouf, ouais. C'était ouf. Non, je repense à mes vacances de l'été dernier. Bon, non, alors ferme ta gueule, allez. Welmer. Welmer à la fin, ouais. Machoc, bah putain, Machoc est aussi sympa que. Mais Machoc, du coup, quoi. Je suis dégoûté parce que je me suis fait enfler de 3 cartes qui sont en anglais et pas en sauf français. Quoi. Ou alors, ça se trouve, c'est des cartes en plus, on les a pas comptées. Bébé Kai, qu'on a déjà vu, qui est vraiment sympa. Moi, Bébé Kai, pour l'instant, ça m'est préféré. Il est vraiment cool. Qu'on appelle. Qui évolue en enfant, wesh. Ferme ta gueule. Alors, oui, non, c'est pas. Mec, c'est encore en anglais. Et ça se trouve, en fait, on avait pas remarqué, mais celle d'avant, c'était pareil. Mec, c'est encore en anglais. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je suis dégoûté. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir les cartes que j'ai payées, s'il vous plaît? Gliscor. Brooklet Hill. Il est en française. Ça va, t'es rassuré? Ouais. À chaque fois, c'est les trois elle juste avant la reverse. Elle est très belle, Dragon. Je me demande si c'est pas une holo reverse. Peut-être. Et c'est la dernière. C'est ta dernière de Soleil Lune 2. Ouais. Bon, j'ai bien aimé. Et un Plumeline. Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, c'est un. Il a quatre formes en fait. Suivant la forme, il est pas du même. Je ne connais pas ces trois autres formes, mais celles-ci sont particulièrement dégueu. Enfin, eh ben, écoutez. Bon, le petit bonus de la vidéo quand même. Ouais, mais on a déjà. Soleil et Lune 2 pour la première sur la chaîne. En 4 boosters, une full art, c'est excellent. Et puis pas n'importe quel full art. Oui, Tokoriko en plus, que je trouve. Ouais. Alors par contre, le petit bémol, ça reste 6 cartes anglaises quand même. Oui, c'est vrai. Sur 40 cartes, ça fait chier quand même. C'est vrai. Et donc là, on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Il y a encore des ghosts et des golds qu'on n'a pas. Toi, t'as peut-être pas encore certaines full art, donc. Ben voilà. Alors là, le but, c'est une full art. Là, vous connaissez. Une ghost, une gold. Exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Finalement. Là, vous connaissez un Paras, Rapace des Pics, on n'y revient pas. Énergie haut, une Faible Ball, un Tarambule, Professeur Euphorb, un super bon reverse, peut-être que tu l'as je pas. Je crois que je l'ai pas. Bah, peut-être. Okay. Les reverse m'intéressent aussi. Et un Fait l'Inferno en rare. Ouais. Rien de bien sympa. On est dégoûté. On les ouvre hors caméra. Tu sais, il y a un mec dans le jardin qui est en train de l'ouvrir. C'est vrai, je l'ai ouvert hors caméra. Non, mais je. Parce que c'est vrai que j'ai pas dans. Je suis position. Je sais que t'as hâte d'ouvrir les tiens, mais quand même. Oh non. Je parlais pas de. Ouais. Je vais pas faire de prémonition. Je parlais de tes muscles anneaux. Bon, alors du coup. Putain. Mimantis, Tanmorph d'Alola, Togedemaru, Nounourson, Vorastery, Énergie électrique, Ponchien, Candine, Tétarte, Tilly en reverse, et un petit Luna Lagenix.
C'est bien ce que je pensais, j'avais sorti une TJX. Eh ben écoutez, donc ça partira à l'échange, je suppose. Eh ben ça part à l'échange. Voilà, c'est donc, pas mal. Elle est jolie, la Luna Logix, je l'aime bien. Je la protège tout de suite et puis ben, elle part à l'échange pour qui veut. Pourquoi? C'est quoi? C'est 8-9 euros une Luna Logix? Ouais, ça baisse un plus petit peu là, mais voilà, ben, ça fait un petit échange sympa. Oui, un échange, ouais, complètement. Eh ben écoutez, jeunes gens, nous sommes à la fin de la première vidéo sur SL2. On n'a même pas besoin de faire de coupure, on a juste à remonter les petites promos et ta petite foulard. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Tiens, tu peux montrer les promos en attendant. Et puis là, voilà. C'est bon. Voilà. Ça, c'est le moment. On aurait dû faire une coupe, on l'a pas fait. Maintenant, ben voilà. Non, mais c'est bon, c'est très bien. Donc, on a la Lucanon. Elle est très jolie, moi, c'est ma préférée des deux. Ouais, elle est vraiment très belle, ouais. Je la trouve un petit peu mieux. Elle est plus stylée. Il y avait déjà Lucanon sur le SL1. Elle était holographique d'ailleurs. C'était déjà une de mes préférées en holo. Ben, la promo est bien cool. Ok. Le Tibumata. Et bien évidemment, le magnifique Tokoriko GX Full Art. Alors vraiment très très belle. Pour le coup, tu vois, le fond jaune, je trouve qu'il est réussi. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est un jaune doré comme ça, là, très très beau. Non, franchement nickel. Je sais pas s'il y a les autres gardiens d'Alola. Oui, c'est ça, Alola. Je dis pas de conneries. Alola, oui, Alola, c'est ça. Il y a les autres. Je sais pas si les autres gardiens d'Alola sont dans cette extension de cartes ou s'ils vont nous en faire un par chaque. Ah, je sais pas du tout. Donc, et bon, voilà, la Luna la GX, vous la connaissez déjà, donc on va pas la représenter, mais ça fait toujours une petite GX en plus, donc ça fait quand même une GX et une GX Full Art en 6 boosters, ce qui est quand même très bon. Eh ben voilà. On est d'accord pour dire que c'est très bon. Eh ben donc, le prochain suspense, est-ce que Benjamin aura mieux? Est-ce que Benjamin aura des cartes anglaises? C'est nous ça, le parce que alors, très bientôt. Donc là, du coup, pour l'instant, dans nos versus, on en est à 2-0 pour moi. Est-ce que je vais faire mieux que toi, sachant que t'as quand même eu une Full Art et une GX en 6 boosters? De 2-0 parce que j'ai les deux ultras, quoi. Non, moi j'ai 2-0 parce que j'ai déjà gagné 2 de nos duels. Ah d'accord, j'ai perdu le fil moi. Bon ça marche, bah écoutez, il peut pas être bien gros. On en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, toute proportion gardée, on a passé les 2000 vues, on kiffe bien, continuez à partager à vos potes, merci pour les retours sur la vidéo PCA. Ouais, on s'attendait pas à ça, c'était vraiment très cool. Voilà, et puis à bientôt pour déconner aussi sur les groupes Facebook, les forums, les tout, là on vous croise, UGs aussi. Bisous.